you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés! Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau décor. Et oui, j'ai tout changé. J'espère que ça vous plaira. Pour vous parler de la boxe Emma et Chloé, dont j'avais déjà fait la revue le mois dernier. Parce qu'effectivement, c'est une boxe normalement qu'on reçoit tous les mois. Ou tous les deux mois. Non, tous les mois. Et en fait, à l'intérieur, il y a des surprises. Donc, j'ai ouvert juste l'enveloppe pour pas qu'on voit que mon adresse, quoi, tu vois. Donc je l'ouvre avec vous aujourd'hui et je constate que la box n'a pas changé. Donc je ne vous fais pas la description de l'intérieur du packaging. Mais par contre, du coup, la gazette ce mois-ci, on va voir ce qu'elle contient. Alors là, pour le coup, j'ai deux pochons, donc je ne sais pas pourquoi. Vous avez toujours moins 10% avec Ludivine 10%, je crois. Je vous remettrai de toute façon le code promo ici. Et effectivement, le numéro 36, c'est le mois de mai. Donc, je suis en retard, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai la box de mai, quoi. Alors que je l'ai reçue la semaine dernière. Je sais pas. Alors, par contre, du coup... La box de mai, c'était la manchette corail. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, je pense que c'est ce que j'ai dans le pochon. Et du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. Si c'est du mois de mai, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a deux pochons. Donc, il y a toujours les bijoux de la boutique que vous pouvez voir. Là, il parle en fait de la French Marina. Donc, en gros, c'est une tendance aux marins. En gros, bleu marine, etc. Donc, c'est pourquoi vous avez une manchette avec du bleu marine à l'intérieur. Donc, visiblement, ça, c'est la boîte de mai qui est encore disponible, hein, je suppose, puisqu'il me l'envoie. Donc là, en gros, pour ce qui est beauté, dans la gazette, on parle de ce qui est home thalasso made. Donc, tout ce qui est homemade, DIY, everything. Le sel de bain, le bon masque, le bon soin pour les cheveux. Ensuite, quelle station balnéaire êtes-vous, est faite pour vous? Donc le quiz comme d'habitude. Et deux petites recettes. Donc l'une de la salade vitaminée avec du pamplemousse. Pamplemousse, je déteste le pamplemousse. Hein, donc voilà, c'est déjà pas pour moi. Et la croquette de poisson. Alors ça par contre c'est intéressant parce que ça pour faire manger aux enfants, c'est topissime. Ça passe tout seul. Comme les nuggets. Donc bon bah voilà pour la gazette, il y a toujours de si beaux bijoux, mais si très cher, quoi, je crois. Il me semble bien que la dernière fois, j'avais vu un bijou et en fait, il coûtait 129€, quelque chose comme ça. Donc bon, vaut mieux prendre la box, tout simplement. Elle est à 24,90€, je crois bien me souvenir. Donc je prends, ben, il y a deux pochons, donc je ne sais pas pourquoi. Donc je prends le premier, j'ouvre. Ouais, alors qu'est-ce que c'est ? Tadam ! C'est pas du tout ce qu'il y a dans la gazette. Il y a qu'à moi que ça arrive, des trucs pareils. Ça du tout ne ressemble pas à la manchette bleu marine. Alors là, j'ai un peu de violet marine. On va dire que je suis dans le thème. Mais là, je serai pas reine du shopping. Hein. Non. Parce que c'est pas du tout la manchette marine, ça. Ça, c'est... Alors, c'est très beau. Et je remercie Emma et Chloé de m'avoir envoyé ça. Cependant, je ne porte pas d'or. Donc, mais c'est magnifique. Hein. C'est vraiment très, très joli. Je suppose que c'est un bracelet donc, qui se porte comme ça. Donc, étant donné la grosseur de mon poignet, tu vois que l'arc, déjà, n'est pas fait pour moi. Mais si tu prends en compte la longueur du... Comment dire? De la chaînette... On peut la casser, quoi. Non, je vais faire doucement. Mais normalement... Ah, c'est super rigide, en fait. Est-ce qu'on peut la modeler avec son poignet? Parce que moi, sinon... Ah oui, déjà, c'est modelable. Et ensuite... Ah, mais c'est canon, en fait. Ah, c'est trop dommage, en fait, que je l'ai pas reçu en argent. Parce que franchement, moi, Laure et moi, ça fait deux. C'est clair. C'est pas possible. Je vais tenter de le faire, mais ouais, il est canon. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas en argent. Attends. Alors, dit comme ça, pour les ronds,
ça marche. Si vous êtes ronde et que vous avez peur de pas de jamais trouver un bracelet qui vous sied correctement, là pour le coup, la taille ne pose aucun problème. Et j'ai encore deux maillons. Hein. Et franchement, nickel. Ah, je suis trop contente de ça. Et en fait, en gros, voilà ce que ça donne. Alors, c'est un peu dommage que ce soit pas en argent, comme je l'ai déjà dit, puisque je porte pas d'or. Mais il est canon. Il est très très beau. C'est en gros une cigale, si je me trompe pas. Mais en gros, vous pourrez pas correctement voir, à moins si je me torde le bras. Mais je crois que c'est une cigale ou une... je ne sais pas. Franchement, j'irai chercher la photo du site et je vous la mettrai ici pour que le dessin ressorte mieux. Mais il est canon. Ouais, il est très très beau. Alors par contre, du coup, on va voir dans le deuxième pochon parce que là, pour le coup, ça marche pas quoi. Alors le deuxième. Alors il y a toujours le certificat d'authenticité à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Laiton doré à leur fin. Mais bon, ça reste du laiton. Mais doré à leur fin. Et ensuite, on a voilà hein, la magnifique carte postale avec le bracelet marin qui n'est pas dans le premier pochon que j'ai ouvert. Mais bon, il est dans le deuxième. Donc le voilà. Alors là, c'est un certificat. La manchette corail est en laiton doré à leur fin ou trempé dans un bain d'argent rehaussé d'un rang de pierre lapis lazuli. Lazulis, pardon. Évitez le contact des bijoux avec l'eau, lotion et crème ou avec votre parfum, ce qui risquerait d'abîmer la couche d'or ou d'argent posée sur le bijou. Donc là pour le coup j'ai déjà un bracelet que j'ai payé 30 €. Où c'est que j'ai payé ça? Chez Jean de la Tour, qui est fait aussi pour les rondes. Ah j'aime bien. Ah c'est classe. Elle est pas mal. Alors jamais de la vie je me serais acheté un truc pareil, c'est sûr, forcément. Mais ouais, c'est très beau. Et en plus, je me suis acheté une nouvelle robe hôtesse de l'air qui ira parfaitement avec cette couleur, avec des nouveaux escarpins. Et vu que je passe un entretien mardi pour du travail, ça va être parfait. Enfin, lundi après-midi. Ça va être parfait. Donc merci, ma Chloé. Parce qu'au final, ouais, je pense que je vais y aller avec. Ça rehaussera la tenue et franchement ça fait très très discret. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer puisque bah, la box hein, c'est facile. Tada, j'en ai deux. Alors j'ai pas compris. Celle-là, ça doit être celle de mai, donc qui est déjà passée depuis bien longtemps. Donc ma belle, quand tu me demandais, ça fait longtemps que tu l'as eu parce que c'était du mois d'avril. Donc tu comprendras que je reçois au mois de juillet un truc du mois de mai. Comment te dire la subtilité de la chose? Ne demandez pas. La seule chose étant que, bon, je mets pas d'or, mais ça sera l'exception qui confirme la règle, puisqu'il est vraiment canon. Et vu que j'ai une alliance de mon arrière-arrière-grand-mère, ça ira parfaitement, je pense, l'alliance des deux, justement. De cette main une beauté. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, me dire ce que vous en avez pensé, de liker, partager, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner, parce que au 10 000 je vous fais le room tour. Donc pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous aime, ciao. Are you listening?